Générique de début. Générique de début. Bonjour et bienvenue dans ma méthode de ukulélé, la méthode de Frédéric pour apprendre le ukulélé comme il se doit. Dans ce nouvel épisode, nous allons voir qu'il est possible de sauver de deux manières différentes une personne qui tombe. Alors, par exemple, on se met en situation, vous êtes en train de vous balader avec un ami, et celui-ci tombe par terre, vraiment, il ne peut pas se relever. Vous devez l'aider. Première possibilité, vous prenez votre ukulélé, et puis vous le tendez vers votre ami, vous pouvez l'encourager en disant « Tiens bon, je suis là !» Hop, votre ami s'accroche au ukulélé, à ce moment-là, vous le ramenez vers vous, il est sauvé. Deuxième possibilité de sauver votre ami, surtout si vous avez mal au dos. Vous ne pouvez pas vous baisser. Et en plus de ça, finalement, cet ami, bah, c'est peut-être pas tant que ça un ami, mais bon, il y a des gens qui regardent, il faut passer pour quelqu'un de bien, c'est bien, vous êtes généreux, tout ça. Donc, vous allez le sauver d'une deuxième manière. Et bien, la manière est la suivante, vous allez lui chanter une chanson. T'as voulu faire le malin, et t'es dans le pétrin. T'as voulu faire le malin, et tu veux que je te donne un coup de main. T'as voulu faire le malin, et là, t'as pas l'air malin. Voilà. Normalement, cette chanson devrait lui donner une forme de courage, et il va se relever. En plus de ça, il va peut-être voir l'amitié sous un autre angle, mais dans tous les cas, vous l'aurez sauvé, je vous assure. Merci de m'avoir suivi. On se retrouvera dans un prochain épisode et nous verrons que chaque corde du ukulélé correspond à une corde vocale. Merci de m'avoir suivi et à bientôt. Générique de fin. Générique de fin.